Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo où on va parler de giveaway. On n'en fait pas souvent sur la chaîne, mais là j'ai eu l'occasion d'avoir deux clés grâce à la générosité des développeurs de deux jeux auxquels on joue pas mal en ce moment. Et donc du coup j'ai réfléchi un petit peu comment je pouvais vous faire gagner ça de manière sympathique. Et j'ai eu envie de faire un petit crossover. Ce qui fait que du coup, on va se faire plaisir sur Legend of Keeper et A Pirate Quartermaster. Donc merci à Inyur pour A Pirate Quartermaster et à Cindy pour Legend of Keepers, qui me permet aujourd'hui de vous proposer de gagner une clé pour chacun de ces jeux. Alors, comment vous allez pouvoir gagner ces clés? Je vais tout simplement vous demander de choisir, enfin de me donner un nom, d'ailleurs deux noms en l'occurrence, pour pouvoir nommer un pirate et un monstre, afin de m'en servir pour déjà probablement les jouer dans Pirate Quartermaster et Legend of Keeper, et également faire un crossover avec Wildermyth, puisque ça fait longtemps que j'ai mis en pause Wildermyth en attendant une mise à jour. La date de sortie approche à grands pas et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander le retour de Wildermyth. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire et j'ai moyen de vous proposer une aventure avec deux personnages qui pourront être nommés avec les noms que vous allez me donner. Donc comment ça va se passer? Je vais vous demander de me donner deux noms dans les commentaires des vidéos. Donc ces deux noms doivent être un nom pour une pirate. Je précise bien une pirate. Et un nom pour un monstre de type élémentaire de terre. Donc vous pouvez me donner un nom pour chaque, donc vous mettez dans le commentaire pirate de point votre nom, élémentaire de point votre nom. Vous pouvez éventuellement faire plusieurs propositions ou changer d'avis, etc. Mais je ne prendrai que la plus récente. Donc vous n'avez droit qu'à une seule participation par personne. Pareil, si vous commentez sur Peerturb et sur YouTube, et je ferai le tri et je prendrai la plus récente. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que j'organiserai un vote pour les gladiateurs. Donc tous les gladiateurs de la chaîne pourront voter, j'ai vu avec eux, pour les noms qu'ils préfèrent. Et une fois que ces noms auront été sélectionnés comme étant les meilleurs noms d'élémentaires et de pirates parmi vos propositions, eh bien les deux gagnants gagneront chacun la clé correspondant au jeu. Donc si vous ne souhaitez pas gagner l'un des jeux, ne participez qu'avec un seul nom, vous pouvez tout à fait mettre un seul nom, hein, les deux noms ne sont pas obligatoires. Et en plus, vous aurez la clé et le droit d'apparaître du coup dans les séries, et notamment dans le crossover de Wildermyth. Alors ça changera pas que dans l'aventure de Wildermyth, je pourrais donner des noms de viewers que vous pourrez me proposer dans les commentaires quand l'aventure commencera, mais ces deux personnages-là en particulier seront les personnages de départ qui viendront de l'héritage en mode déjà badass avec des compétences et tout qui correspondront un petit peu à leur personnalité de pirate et d'élémentaire. Donc du coup, ça sera le petit bonus en plus de la clé, vous participerez aux aventures. Je les mettrai de côté également, j'arrêterai probablement l'une des deux séries, Legend of Keeper ou Pirate Quartermaster, on verra, pour pouvoir caler Wildermyth, parce que j'ai malheureusement un planning relativement restreint. Mais je les garderai précieusement pour pouvoir les utiliser quand on refera une aventure sur ce jeu-là. Donc voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir une semaine à partir de maintenant, sachant que la vidéo sort en simultané sur Peerturb et sur YouTube ce soir, vendredi 15 mai à 19h. Vous allez avoir une semaine, donc au vendredi de la semaine prochaine, 19h, pour mettre vos participations. La semaine prochaine, je passe sur les vidéos, je ramasse toutes les participations. Les plus récentes si vous en avez posté plusieurs, les plus récentes si vous en avez posté sur les deux vidéos. Ça me fera du travail, donc essayez d'éviter, hein. De toute façon ça ne marchera pas, donc essayez d'éviter de tricher comme ça. Je prendrai de toute façon les plus récentes, mais si vous trichez pas, ça me fera moins de travail de tri derrière. Merci d'avance. Et on fera le petit vote dans le week-end avec les gladiateurs, et j'annoncerai les résultats. Alors on verra selon le temps qu'il aura fallu pour avoir les résultats du vote, selon la disponibilité des gladiateurs, mais probablement le dimanche, dans la soirée, au pire le lundi dans la soirée, et on enchaînera ce coup sur l'aventure de Wildermyth. Donc voilà comment ça va se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord si les choses ne sont pas claires dans ce que j'ai dit ou paraissent pas évidentes dans la manière de jouer. Sur le Discord ou en commentaire, j'y répondrai.
Je remercie encore eh bien, le développeur de Pirate Quartermaster et le studio Goblins de Legend of Keepers pour les clés. Et je vous souhaite bah, du coup bonne chance pour le concours. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour la suite.